C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Eric Fotorino. Bonsoir Julien. Carte blanche un peu particulière ce soir, car vous allez nous décrypter cette grande interview, cette grande conversation que vous a donnée le président de la République, Emmanuel Macron, à votre magazine Zadig. C'est une interview sans filtre, au long cours, où le président raconte sa vision de la France, sa vision des territoires, peut-être comme jamais. Qu'en avez-vous retenu, vous, d'abord? Si vous voulez, le fait qu'il accepte, je trouvais que c'était important parce que, comme vous savez, souvent ses détracteurs disent qu'il n'est pas rattaché vraiment à la réalité du pays, que c'est un président hors sol, c'est un énarque, un inspecteur des finances, un intellectuel, et donc que la France charnelle lui échappe complètement. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de savoir si c'était vrai, s'il était complètement ailleurs, ou si il avait des points de repère qui permettaient justement qu'on puisse nous-mêmes, les citoyens, se projeter ou se reconnaître dans son expérience de vie, tout simplement. Oui, et à travers son expérience personnelle, le chef de l'État, de son berceau d'Amiens, là où il a grandi, à Marseille, en passant par la Seine-Saint-Denis ou les Hautes-Pyrénées, où il était proche de sa grand-mère, il raconte aussi la désindustrialisation, la grande désindustrialisation de la France. Oui, c'est une expression qui revient beaucoup dans cet entretien. Il parle même de la morsure de la désindustrialisation qu'il a vécue avec ses proches, avec ses parents, avec ses grands-parents, aussi bien à Amiens, en Picardie. Il dit à un moment donné qu'il a vu la richesse quitter cette ville, qu'elle vit dans l'inquiétude entre Paris et Lille, et puis Bagnères-de-Bigorre, où là il dit carrément que la ville s'est arrêtée, notamment avec la fin du textile. Et là il y a une sorte d'aveu, de non pas d'échec, mais en tout cas de mauvaise perception de la réalité, en disant on a fait une erreur en pensant qu'on pouvait vivre dans un pays qui se désindustrialisait. Non, il faut une industrie. Ce qui est intéressant, Eric Fotorino, c'est qu'il revient évidemment sur la crise des Gilets jaunes. Il livre une analyse qu'il avait déjà en partie explicité. Cette crise des Gilets jaunes, en somme, c'est qu'on a vendu un modèle de société à la classe moyenne et qu'on a depuis changé les règles du jeu, ce qui a provoqué cette colère. Oui, ça, là-dessus, il est assez clair. C'est même le premier moment dans cet entretien où il fait point 1, point 2, point 3, point 3, point 4, c'est-à-dire de montrer qu'on a voulu que les gens soient à la fois propriétaires et soient très attentifs à l'éducation de leurs enfants, mais propriétaires, c'est loin des villes, et l'éducation, c'est en général dans les villes, et puis tous les bons parents, c'est s'occuper de toutes les activités scolaires, donc c'est beaucoup de cheminement, beaucoup de déplacements, etc. Et que ce modèle-là qu'on a encouragé pendant longtemps, on dit à un moment donné, ah ben non, vous avez tout faux, puisque vous polluez, puisque vous faites trop de trajets, vous n'avez pas trouvé le bon modèle. Et là, à un moment donné, dit-il, pour les classes moyennes, c'est l'explosion, l'incompréhension, et beaucoup de gens qui se sont resocialisés difficilement loin des villes ont retrouvé un lieu de socialisation qui devient le rond-point, et c'est là que le mouvement des Gilets jaunes s'est cristallisé. Et puis justement, cette France éruptive à laquelle vous faites référence, il en parle aussi au travers de l'histoire. Et là, aussi surprenant que ce soit, il évoque la fin du Moyen-Âge. Oui, c'est-à-dire que je voulais comprendre ce qui, pour lui, pouvait rattacher notre période à une autre de notre histoire. Et sa réponse est assez claire. Il dit, on ne sait pas, à la fin de la Deuxième Guerre, où tout est à reconstruire, on trouve une énergie vitale pour tout reconstruire. C'est la fin du Moyen-Âge parce que c'est une période marquée par les jacqueries, les grandes peurs, les grandes révoltes, les grandes épidémies, mais qui va aussi être suivie par la Renaissance, l'innovation technique, technologique. À l'époque, c'était l'imprimerie. Là, il parle évidemment du numérique et d'une projection différente de soi dans la société. Et c'est là où j'ai perçu qu'il y trouvait un motif d'optimisme. Est-ce que vous diriez que cet entretien marque aussi le lancement de sa campagne présidentielle d'une certaine manière? Si vous voulez, de fait, oui. Même si c'était pas prévu pour ça, je veux dire par là que c'est un entretien qu'on aurait dû faire déjà il y a plusieurs mois s'il n'y avait pas eu l'épidémie et toutes ses conséquences. Il se trouve qu'on le publie maintenant, et maintenant on est effectivement à un an de la présidentielle, et d'une certaine manière c'est un peu les grandes lignes de l'itinérance qu'il veut avoir dans les mois qui viennent. Bien, conversation avec Emmanuel Macron, c'est ainsi que s'appelle cet entretien passionnant à retrouver donc dans le magazine Zadig. Merci Eric Fotorino. Merci Julien Bugier. Europe 1, Julien Bugier.